justement, certains pourraient penser que tu fais que des 10 km de par ta maladie. Finalement, tu fais du beaucoup plus long parce que tu fais des parcours 70, 80. Justement, quels sont un petit peu tes objectifs pour cette année 2014? Mais en fait, cette année 2014, j'avais prévu des choses. Malheureusement, il y a un événement qui est venu bouleverser ma vie, notamment un décès dans ma famille. Après, cette année 2014, je n'ai pas vraiment planifié. Ça serait plus à la sensation, beaucoup me faire plaisir. Voilà, au mois d'avril, j'aurai un trail donc, de 21 km, donc le trail des Vieilles Pierres. Au mois de juin, la chaussée des gens, bien sûr, sur le 53. Après, peut-être encore l'aventure tentée aux Hospitaliers, les 75 km. Donc là, pour moi, rien n'est défini. Et peut-être le trail de Glières qu'organise Sébastien Chéniaud. Donc après, ça sera à voir, ça sera au feeling. Hein, autant ça sera différent. Peut-être que je ferai autre chose sur une longue distance. Je ne sais pas encore vraiment. Ça sera vraiment cette année, prendre du plaisir. Voilà. Alors justement, cette année, tu seras au départ donc, de notre troisième édition de la Chaussée des Géants, le 7 juin prochain. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé pour accepter notre invitation? Ben déjà, découvrir de nouveaux horizons. Voilà, donc l'Ardèche, je ne connais pas. Et comme en 2013, je t'avais dit que je devais venir. Et puis voilà, je suis passé sur autre chose. Donc j'avais fait le Grand Raid, donc des 100 km. Donc voilà, donc c'était un peu juste pour venir en année 2013. Donc 2014, j'ai décidé que ben, voilà, c'était l'occasion de pouvoir te rencontrer. Et ben, rencontrer ben, les gens que j'ai rencontrés ce week-end qui sont formidables, une région qui est magnifique. Et voilà, il y a un peu tout ça qui fait que j'ai postulé pour venir voilà, pour 2014 sur la chaussée des gens. Donc finalement, tu étais un petit peu séduit par la famille de ta Lucie, n'est-ce pas? Effectivement, c'est hallucinant comme tu dis si bien. Non, mais c'est vrai que ouais, de ce week-end-là, j'ai vraiment vu encore autre chose ben, dans le monde du trail, quoi. Voilà, l'orga qui est présente. Et voilà, c'est ce que nous, les trailers, on recherche un petit peu. Voilà, c'est la grande famille qui est là. Et on vient aussi pour se faire plaisir. Et d'avoir tout ce contexte-là, ouais, ça donne envie aussi de prendre le départ pour le 7 juin. Alors justement, ta Lucine, ce qu'il souhaite avant tout, c'est faire découvrir sa région via le trail, son terroir avec sa gastronomie, mais aussi mettre donc l'aspect santé très en avant. Et c'est vrai qu'il est très touché par ton parcours et je pense que tu es source d'espoir pour plein de diabétiques. Donc c'est aussi pour ça qu'on souhaitait t'avoir parmi nous donc le 7 juin. Donc sache que toute l'équipe organisatrice sera derrière toi pour te soutenir donc lors du 53 km. Alors je ne peux te souhaiter qu'une bonne prépa avant de te retrouver. Je pense que tu pourras aussi regarder un petit peu toutes nos vidéos conseils avec Julien Rancon qui propose donc toute une panoplie de conseils santé. La Rocco, tu l'auras faite ce week-end. Tu pourras la revivre à travers donc les vidéos que nous proposons sur notre site lachausseedesgeants.com. Bah écoute, merci Ludo pour cet entretien. Merci à toi. Bonne prépa et puis donc je Merci. te dis au 7 juin. Avec un grand plaisir. Merci à tous et puis à bientôt. À bientôt.